Bonsoir tout le monde. Je veux dire, nous t'avons parlé de interview et pour asile. Et n'a parlé de interview pour asile surtout dans le cadre de ça nous relais pour nous préciser qui asile qui c'est affirmative asile. Parce qu'il y a deux cas asile, un asile qui est défensif et un qui c'est affirmative. Asile défensif là, c'est le fait que vous êtes déjà dans main en d'autres termes, vous êtes qu'un mot déjà. Vous êtes traversé frontière, vous êtes dans prison, vous la guerre. OK. Donc c'est défensif. Généralement, asile ça autour à le défendre devant immigration court. Alors que on a parlé de défensif, alors que asile affirmatif là, il gagne une première étape avant arriver devant juge qui c'est interview avec USCIS. OK? Et c'est ça nous allons parler là. Maintenant, il y a des gens qui ont dit, on va faire interview, est-ce qu'il y a tout déporté? Et laissez-moi dire que agent USCIS qui a fait interview, il n'a pas d'autorité pour prendre décision s'il y a des poteaux. Ce n'est pas le job de ça. OK? C'est ça qui fait, si vous ne pouvez pas passer l'interview là, la prendre dossier là, la préférer au bah, un juge. Vous n'êtes pas capable de la différence. Mais en tout cas, c'est l'IGN pour voir, et d'après l'analyse, pour lui dire, OK, asile, ça a accepté. Après l'interview, elle a prouvé pour vous. Ça qui va permettre puis devant pour venir en résidence. Donc, à comprendre bien. Là, mettez en clarification pour plusieurs personnes qui ont parlé d'interview, qui dit que depuis que je ne vais pas passer l'interview, là, je vais tout déporter. C'est pas ça. Je ne vais pas passer l'interview, vous avez une deuxième chance, puisque l'officier a voué le bail et un juge, côté qu'on va bien vous défendre l'autre fois. OK? Bon. Et la parole d'interview, d'abord, on nous dit, je vous interview, mais si vous avez besoin pour venir. Ou a besoin yon papier qui pour identifier qui moun kouye. Li gen dwa passeport, li gen dwa I-94 tout. Et ou a besoin venir avec papier civil et tant kou ak gen nesans ou ak mariage sou te divorce et tout, mais venir avec ak divorce, OK, c'est à peu près ça. Et bon, c'est qu'il t'a intéressant. Et pour venir avec forme application là tout pour gagner là non et tout l'autre document additionnel que vous pas de gagner envoyé ou qu'à venir avec tant que yon résultat yon examen médical peut-être qui te montre côté te font blessure whatever suivant l'événement vous comprenez et yon procès-verbal que vous pas de gagner envoyé ou bien côté voyez qui te dit, mais j'ai une situation. Et si vous n'avez pas fait interview en anglais, songez bien, vous avez besoin d'un interprète. Ce n'est pas vous qui avez besoin d'un interprète. Généralement, interprète, vous permettez d'interpréter à distance. Vous permettez d'interpréter pas nécessairement besoin présent. Là. À cause de la pandémie, coronavirus, ça, bien entendu. Puisque dans le passé, portez toujours, il faut un interprète là, être présent. On ne sait pas comprendre l'anglais. Bon, puis, il faut que vous ayez besoin d'interprète. Et si vous mettez Timounou sur l'application, vous venez avec vous. Petite madame, vous venez tout. Mais mettez ça dans tête pour que vous venez avec Timoun. Et pour que vous puissiez faire n'importe quoi, il y a posé une question. Donc, si vous venez avec Timoun, vous venez avec l'autre monde qui peut suivre parce que Timoun n'a pas dans la salle quand vous allez poser une question. OK, donc songez bien pour mettre ça dans la tête. Et tout document à porter vous ka comprendre ça si vous parlez en anglais, il faut que vous traduit. OK? Et ça qu'arrive tout, vous voulez venir avec avocat et gon papier pour ça. Pour le submit pour entrer pour avocat capable venir avec vous. Vous comprenez? Donc, je vais vous dire là, pour PPT, c'est inédit. Et bien que le capable varier, inédit pour interview, mais temps pour temps, non. Ça va vous expliquer. Pour que vous fassiez n'importe 2 et 3 étapes, temps avant pour vous ouvrir l'eau. Vous comprenez? Et donc, c'est ça. Et pas oublier que l'officier, c'est des questions que le pouvez poser. OK? Il comprend que ça est difficile pour expliquer. Pour réexpliquer l'expérience côté fait, mais never de l'Est, il va le poser aux questions. Ça vous met dans tête, c'est que l'officier as asilio,
Attendez bien. Généralement, les gens qui ont interviewé avant, ils ont compté où là bien. Pas prendre pour égaré. Puisque Léo, il y a un officier pour faire interview à asile pour un monde qui est dans le pays. Laissez-moi dire que l'officier, ça a étonné. La palo de marmelade, la palo de grand goave, la bon. Ça a étonné la bonne zone pour la carrière pour dire qu'est-ce qui passe là. Non, c'est qu'on s'allie. L'officier qui a conduit asile pour un pays, généralement, et pas la première fois, il a fait une connaissance. Vous comprenez? Il a une connaissance du pays. Et ça ne veut dire tout battre pour pas rater une interview. Lorsque rater une interview, ou qu'a toujours risqué de lire après. Mais laissez-moi dire, lorsque rater une interview, gomba yo le tam clock li bloqué. Sou pote ko gantan gen 5 mois. Pa oublier que c'est faut gen 5 mois pour qu'elle fait 4 travail, mais là tout campé là, pas gen problème pour gen 4 travail. Et battre pour pas rater une interview. Donc ça c'est important, si tout sou pote ko gen 5 mois. Ou quand t'as si mon rate une interview, pas tellement big deal ou car risque Julie. Mais là pour qu'on gagne le rate une interview, qui tu risque Julie a bloqué ta clock là. Et c'est qui a bloqué ta clock là? Il veut dire qu'ils a t'as un pape marché. On nous connaît dans cause asile. Au plus petit faut attendre pour gagner 5 mois pour gagner droit. Et tout le monde qui fait les pour appliquer pour qu'à travailler là. Les pour gagner 5 mois ou beaucoup qu'à appliquer pour qu'à travailler. Il est ça ou dans problème. Et donc ça est important. Et là, je me dis, c'est moi, je vais mettre l'entre guillemets pour les gens qui sont dans ASAP. Parce que, sous banan ASAP, qui c'est ASAP, la psyche, c'est un an, nous sommes Donald Trump, c'est changé par ça. Il n'y a pas 5 mois encore. Ok, guys, on va continuer à parler. Bon, de toutes les façons, on va dire que nous parlons d'une interview pour asile. Et, en clair sur ça. Moi, je vais commencer sous Jean habillé. On va venir en jean, sandal ou non. Bon, Jean, pour présenter. Ok? Et on mettait bon parfum sous ou on va pas pour vous sentir fumé, ça est important pour présenter ça ba message qui mon et tout. Donc venir avec tout document yo, document original pote yo, tout ça côté gagné sous gagné photo sous gagné et bail médical ou venir avec tout ou traduit yo. J'en dis là et moun ki travaille pas accompagner ti moun ki sur application yo bail. Il y a bien une identité autour depuis sur application. Faut venir avec identité, tout bagage, mariage, certificat tout gain. Maintenant, ou capable s'ouvrir tout venir avec témoin. Si gon monde qui a ça son bon argument qui dit oui, il était au courant tel bagage privé, ou gain droit ça. Vous comprenez? Ou ka venir avec témoin. Causer avocat pas gon obligation non, parce que y a un pile monde qui pense ah si m'va l'interview l'USS forme gen avocat, pas gen ken kote ki di ça. Sou senti confortable et ou ka toujours al pou kontou. Sou senti avocat mon d'autre cob, mais sou capable tout, ça vaut la peine puisque avocat peut-être li capable. Avocat ki rôle, li avocat pa répondre question pou. Avocat main kote li biskaido. Si ou jwenn an officier peut-être kap dès pose des séries de mauvais questions, des questions personnelles. Pour avocat pour rappeler pour dire attention, question ça ou pas fait partie de travail. Mais c'est ça. C'est vrai l'avocat. Avocat, c'est vrai tout pour permettre que l'application est remplie bien. Même j'en tout, sous gon bon préparé, le problème, ça t'a censé résoudre. Mais nous voulons dire, avocat pas venir parler pour vous. Avocat, j'en dis, il a pour défendre si gon bagay kap fait en dehors de la loi, dans l'interview, kap fait mal pour le rappeler officier, mais ça la loi dit que le bagay doit faire tel bagay. En d'autres termes, on dit le plus souvent, c'est souvent nous mauvais officier, c'est les avocats plus utile dans cas ça. Ok, si cob la pas trop pour vous, ou ka dépenser et ou aller avec un avocat. Ok, maintenant l'offre fin rivé et l'offre fait paraître ou pour aller beaucoup de réceptionnistes sont bien clair comme ça officier qui au bail kezoa abdicola et sous porter des séries de nouveaux documents qui partent là des supports qu'on peut qu'on submit ou à bail ou à bail réceptionniste ça va permettre que asile officier a révisé nouveaux documents ça avant interview et il va dire là pour temps pour interview c'est là généralement il y a plusieurs heures ou à bien pour chita pour temps et
Et pendant l'interview, même, ça qui passe. Et officier qui va un côté à part avec vous, avocat, sourien, interprète, la plateau, mais nous connaissons jeudi, puis faut interpréter dans le téléphone. Et c'est là que il va bien en bas question. Et ça vous connaît tout ça que vous dit avec officier, c'est des bagages qui parlent de confidentiel. Et bien avant, il a demandé pour prêter serment. Dès que vous dites, vous promettez pour dire toute la vérité. Et interprétateur, il a dit prêter serment pour dire toute la vérité. Si religion dit ou pas qu'à prendre tes codes ou pas qu'à prêter serment, on va expliquer ça. Ok? Et sous gain des corrections pour t'avoir fait des débats ou te dit peut-être c'est ton erreur qui part ça au café avant même. Vous comprenez bien ça, il permet tout même là au café des corrections. Sous le bail, vous dites, mais tel bagaille, vous t'avez corrigé. Et fait officier qu'on est au commencement interview. Officier a normalement faut qu'on est avant le vin pour l'interview, lui te réviser l'application et ça vous comprenez. Et avant interview, il a regardé tout bagaille. Et généralement officier a commencé mando pour identifier tête ou background non. Qui mounouye, non, qui sortait fait comme activité côté sorti, c'est background. Et la faire révision sous identité ou document yo. Et librement d'autres des questions pour expliquer pour qui ça ou appliquer pour asile. Il y a des questions générales que capable poser ou dites par exemple dis-moi pour qui ça va chercher asile. Comme ça tout le cap poser des questions spécifiques qui ont rapport avec ça va décrit en pas compte. Sou te dit gagne un bon groupe qui te vinn d'ailleurs parce que ou te font déclaration dans radio, il capable dire par exemple qui les monde ça ou te vinn d'ailleurs, combien monde qui te vinn d'ailleurs là. Et pour qui groupe monde ça va travailler, c'est des questions spécifiques par rapport avec ça dit à quel capable poser. OK, et pas bien que l'officier compte tout dossier sous tes fonds bagaille ou tes grand en prison ici là pour ça n'importe petit problème côté gain dans le passé il doit poser aux questions depuis on enregistre sous tes venir ici déjà là pour ça tout. C'est ça vous comprendre. OK, c'est tout dossier enregistré le connaît il cap poser aux questions sur. OK. Sou pa comprendre une question à cause de langage là, il t'a mieux que vous demander clarification avant que vous répondre. Ou gen doit dire est-ce qu'on ka répéter encore ba ça. OK, ou gen doit même dire officier, ou ka parler plus doucement pour me comprendre. Ou ka faire ça. Et pas inquiète sou y a poser même question plusieurs fois. Ou bien de différentes façons. Mais c'est là pour comprendre. C'est pour tester crédibilité, on lui a posé une question et puis après on 10 minutes, il retourne poser la même question encore. Est-ce que vous comprenez? C'est pour tester crédibilité, ça va dire, et ça vous comprenez. Et officier, bien entendu, c'est au job lui. On doit faire une bagarre, il fait, il n'a pas agi comme s'il n'a pas quoi dans ce qu'on va dire. Ça ne doit pas faire plaisir, mais on va supposer quitter ça avec tout parce que c'est job lui. Parce que pour ne pas faire ça aggraver. Wally, c'est pour tester crédibilité. C'est ça, vous comprendre. C'est Wally pour douter. Tout simplement. Si vous ne pouvez pas mentir, vous ne pouvez pas vous fâcher, vous ne pouvez pas être honnête. Vous comprenez ce que ça veut dire. Et bah, tout le détail. Il y a des informations qui sont très personnelles. Peut-être que vous dites que ça est difficile pour discuter. Et vous avez un petit break tout. Si vous voulez. Vous comprenez ça, vous là? Donc Joanne Doula son interview pour Pipiti a duré presque pour Pipiti une temps. Il est capable de venir plus. Longue interview a pas indiqué s'il y a baoul ou pas. Et sous gain avocat a gain possibilité pour bailler une déclaration tout court ou pour clarifier et des inquiétudes que officier a ta gain mais il va avocat qui fait tout temps parler. Peut-être y a pas chance pour des avocats dit un exemple on a dit bon client là son bon monde vrai il était étudié tel côté en d'autres termes pour faut paraître belle on va comprendre ni ca font déclaration de ce genre si tu as gagné des doutes qui t'a venu mais puis pas travailler les amis pam c'est ou même et dans capacité pour convaincre officier dans ça va dire dans sérieux dans test là ba ou et peut-être dans les supports même des supports là peut-être sous gain aux photos pour ses verbales. Donc, c'est capacité. Ou bien, on va gagner dans ça.
Ou gen pas gen yon et pou still gen asilou. Chance tan piti, fon d'accord. Mais nous dit que li vraiment dépend de capacité pour convaincre. Ça y a pose aux questions pendant imaginons pendant une heure temps on a pose aux questions. Sou son moun ki influence ou ka même di parler même. Donc capacité pour être constant ça a dit et c'est ça qui bon chance gagne. Mais nous d'accord nous dit que et pourcentage yo toujours petit et pour gagner asile là. Et des fois tout li kon dépend de qui officier. Gen des officiers qui plus strict tout simplement. Bon, après interview, pa peine. Gen des rares cas, ça pas fait souvent ou ka mande pour une deuxième interview. OK? Ça ka arrivé. Ça pas fait souvent. Et y a mail décision en bas. OK, comme ça tu ka mande retourner pour une pick-up décision. Décision qu'on prend et après plusieurs semaines. Mais des fois qu'on prend plus de temps tout. Toujours. Gen l'autre bagage qui capable faire prend plus de temps. Et des fois gen doit même aller vérifier, ça va dépendre de l'officier. Ça va dépendre des gens interview à passer. Yo ka double check de trois bagaille. Donc c'est comme ça et pour comprendre cause. Et songez bien même lorsque résultat négatif, ou pas une deuxième chance pour aller défendre tête ou pour aller défendre tête ou dans immigration court. La vérité c'est que processus est toujours long. On prend un peu de temps. Qui pas un problème pour vous? C'est pas une garantie que le supposé a pour vous. Puis faut mon jeune toujours dire qui fait asile c'est temps passé pour rentrer en quatre travail aussi après 5 ans 6 ans travail pour ressembler comme on ça tout sous capaler ça qu'arriver qu'on gagne qu'ils asile gagne mon qui gagne si gagne mon qui gagne pourquoi pas on ca gagne tout on va comprendre si gagne mon qui connait l'asile et puis yo gagne on ca gagne tout mais déjà en termes de probabilité nous pas jamais bouquer tout ça et li pa facile. Et le n'a pas les deux interviews pour asile dans officier, songez bien à parler de affirmative asile. C'est asile ça qui fait par exemple pour moun qui gen visa qui vini qui rete. Yo fait tout pour moun qui prend bateau qui débarque sans pas passer pas grand qu'un officier te rencontre yo. Ou ka rele ça affirmative. Toutes les fois c'est ou ka bay tête tout pour mande asile ou pas konnen t'entre dans pays ya. C'est affirmative. Et mais tout moun qui te passe sur frontière te grand faire fingerprint bagay pour ou. Et ça, ou pas pral généralement faire interview avec USCIS. Et ou ap gen officier de Custom Border Protection kap checke credible fi ou et qui capable référer dossier là dans immigration court. Vous comprenez ces différences ça pour connait entre deux types d'asile ça. Donc nous te vle justement faire précision ça parce que nous connait une bonne monde dans communauté a journée jodi a c'est peut-être asile qui dernier recours même t'a appelé chaque jour m'pa jamais bouquer dit nous ça que le fait que gang cap fait des ordres qui te vienne tirer bon la caillou ça pas suffit non dans argument pour dire qu'on mérite asile. OK, asile là faut gagner toujours gon connotation politique parce que autrement ça t'a blé dit insécurité généralisée. Si bon insécurité généralisée c'est rôle gouvernement pour mettre sécurité. OK. Et c'est ça pour comprendre. Asile, il faut gagner une dimension de persécution politique. Ou bien persécution parce que vous faites partie de un groupe social. Un des groupes social, vous faites partie de une église quelconque qui a persécuté nous, peut-être croyance nous. Vous faites partie de une orientation sexuelle. Whatever, un groupe quelconque qui a choisi persécuter peut-être groupe social ça qui vous appartenir. Donc c'est dans ce sens ça pour nous. Well. Mais puis il faut c'est. Il faut asile, c'est surtout peut-être conviction politique. Okay? Donc, c'est dans ce sens-là. Donc, nous devons justement clarifier, causer, interview ça. Et pour un peu de monde, pour qu'à comprendre, ça veut dire interview dans le cadre asile. Nous souhaitons que ça a fait lumière pour vous. Donc, voilà, guys, c'est pas oublier toujours de rester connecté avec Palmi Sakma pour la caille.